Bonjour, ici Léonard de Vincent TV. Aujourd'hui, on va se renseigner à propos du monde de la finance. Ah, monsieur, comment est-ce que vous percevez le monde de la bourse ou de la finance en général? Le poker, c'est ça? Non, les échecs? Ah, d'accord. Donc il y a beaucoup de préjugés, et aujourd'hui, pour lutter contre ça, nous allons interviewer une équipe d'étudiants du pôle Léonard de Vinci. Parler des compos XTB et Forex. Dylan, pouvez-vous nous expliquer en quoi consistent ces concours? Le concours XTB est un concours de trading dans lequel plus de 10 000 candidats y participent. Ce concours dure 4 semaines. Pendant cette durée, nous disposons d'un portefeuille virtuel de 10 000 euros dans lequel nous pouvons investir sur des actions, sur des indices, des matières premières ou bien des devises. Au terme de ce concours, nous avons réalisé une plus-value de 20 000 euros. Pour le concours Forex, ce concours est basé sur l'échange de devises. Ce concours dure plus d'une année et nous disposons d'un portefeuille virtuel de 5 millions d'euros qui est réinitialisé tous les mois à 5 millions d'euros. Ces droits parallèles sont effectivement les lignes de tendance. D'accord. Alors ici vous pouvez voir la résistance, ici le support, cette tendance est baissière, et ici par exemple au niveau de ce point là on peut dire qu'on peut investir à ce point là et on est sûr d'avoir une plus-value certaine au point d'intersection entre la courbe et la résistance. D'accord. Eh bien merci.